Bonjour, bonsoir, tous les amis, tous les collaborateurs, faisaient la caille ou même cap suivre nous en Haïti et sous tout territoire national là. Et puis ou même tout qui est à l'étranger et tout partout dans le monde, nous saluer ou nous dire bienvenue sur Chanel Paola. Jeudi à ce vendredi qui 22 novembre 2019, nous pourrons présenter au journal Première Occasion qui est le journal Grand Boulevard qui passait chaque jour sur lundi pour le vendredi sur Caraïbe FM. Nous pourrons gagner et guerrier du seul Pierre-Renel René qui pourra l'informer et puis nous-mêmes. Nous servons comme pont pour capable connaître tout ce qui a passé en Haïti. Nouvelle saillot disponible ici à 24 temps, les que même au gain temps pour capable suivre tout ce qui est passé en Haïti. Dans moment ça, m'a invité nous pour nous capable suivre ensemble avec moi journal Première Occasion. Le novembre 2019, toute équipe là content rejoindre nous matin pour présentation journal créole Première Occasion, journal Grand Boulevard. Réalisation toute équipe là, production Jean-Claude Dolce, mise en ordre Grégory Lubin, Réginald Robelson, Carlin Trésilac, Fanor Kabé, elle encore là pour live Facebook là, malgré difficultés techniques. Et puis dans le micro pour présenter au journal ça, Pierre-Renel René, qui est moi-même guerrier du sol. Bonjour Réginald, bonjour Grégory, bonjour Fanor Kabé, bonjour Carlin Trésil, bonjour Pierre-Renel. Bonjour Guerrier, bonjour Grégory, bonjour Fanor Kabé, Réginald Robertson, Carlin Trésil, bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal La Matin. Ok, quelques principales informations après quelqu'un pour nous développer matin, sous demande du président Jovenel Moïse, il y a une rencontre qui est déroulée hier dans le Palais National, une réunion sur crise de politique là, avec le président Sénat Kalmoura Kantave, président Chambre des députés Gary Baudot, et puis président Cour Cassation, avec le CSPJ, maître René Sylvain. D'après ça, un journal Le Nouvelliste rapporté, raconte ça, c'était un compte très cordial sous demande du président Jovenel Moïse. Les dit est paré pour dialoguer, puis il voulait faire partie solution. Hein, c'est ça, président Chambre des députés, hein, déclaré by journal. Là. Il y a une rencontre qui est déroulée environ 24 heures après visite ou bien mission ambassadeur États-Unis dans l'ONU, Kelly Craft. Président Jovenel Moïse avec l'autre leader politique, ben, t'es gagné obligation pour chita ensemble et puis mettez des côtés différents yo, et puis chercher une solution inclusive dans le bénéfice des haïtiens. C'est ça, à madame Kelly Craft, t'es recommandé donc rencontre ça qui fait hier dans le Palais National, d'après sa journal. Le Nouvelliste rapporté. Police nationale a présenté un dernier bilan sur agent institution qui victime de violence. 7 policiers mourir en babal sur 15 pour arriver. Journée jeudi, en dernier cas, c'est Richardson, Vigne, André, Jean, Udmo qui mourit en babal dans zone Chalon, première section Miragoan, d'après porte-parole police nationale. 51, c'est quantité policier qui victime toute qualité. Zak pendant période sauti 15 octobre pour arriver. Journée 21 novembre, la police nationale a recensé tout 87 mounes qui mourit dans mi-temps population pour même période ça. 221 monde joué en arrestation le 15 octobre pour bout aujourd'hui. La police nationale déclarée la guerre à tout le bandit exam qui a opéré pendant le mouvement manifestation contre l'équipe qui sont au pouvoir. Après porte-parole PNH dans Michel-Ange Lijeune, porte-parole l'an souligné pendant la même période là, la police saisie 23 âmes, 5 machines qui a pu se passer 500 munitions dans le cadre d'opération qui baptisée 3 d'araignée. Au commandement police là a été lancé le commencement en mois novembre 2019. Une situation de tension a été créée dans la zone bicentenaire, bord palette justice là, à Yen, occasion côté vice-président compagnie, ce général Dimitri Vob, a été dû répondre à question en tribunal civil Port-au-Prince là, concerné qui pat mette pied dans la rencontre là, a été dû répondre à accusation si tiration faux, acquisage de faux, enrichissement illicite, association malfectée à Kabi. Confiance qu'a pesé sous dol. Rencontre entre ceux qui opposition à qui représentant permanent des États-Unis dans l'Organisation des Nations Unies pour permettre de gagner avancer qui fait dans la démarche pour joindre une solution à la crise là, d'après déclaration du colonel Himmler Rebu. Toutefois, le colonel Lacroix n'a pas gagné aucune possibilité pour gagner en cohabitation entre opposition à l'équipe qui est sous pouvoir, puisque d'après ça, le président République n'a pas inspiré personne de confiance. Normalement, quelques députés pas d'accord pour l'international là impliqué
essentiel dans dossier crise politique pays a fait face Vickerson Garnier Deus Deronet dit toutefois espérer ambassadrice Kelly Craft après soumettre un rapport détaillé sans passe pour qui bail administration américaine sous situation pays a dans sens revendication populaire yo yo l'autre côté député Alfredo Antoine Soubopal par fin comprendre pour qui acteur yo dans opposition décide rencontrer représentant président américain lorsque yo pas de l'échite à parler avec président république là Jovenel Moïse. La réaction sénateur Moïse Jean-Charles en direct dans le journal Le Matin. En circulation machine qui assure les transports entre Port-au-Prince et Grand Sud reprennent hier après plusieurs semaines paralysées pour quitter pont qui était coupé dans le niveau commune Léogan, la relouvrie côté machine capable de passer. Pour combien de temps circulation a prêté fonctionnelle? C'est plus gros préoccupation chauffeur autobus qui m'a des forces l'audio pour augmenter patrouille sur route nationale numéro 10. L'après un reportage que Jean-Georges Blaise, entre-temps, employé Grévis Institut Haïtienne et Statistique avec Informatique, a critiqué décision. Nouveau directeur institution, Wilson Fièvre, prend pour fermer porte IHSI en sans aucun avertissement. Protestataires ont dénoncé toutes diverses formes de répression. Il dit nouveau responsable pas suspendre fait sur employé de manière pour empêcher de continuer à protester. Présence ligne en tête, institution ça. Cérémonie ailleurs dans le palais national pour remettre prix bail 92 jeunes qui bénéficient du programme entrepreneuriat jeunesse là. Jeunes ça y ont arrivé joindre un crédit qui permet de créer propre entreprise et puis créer richesse. Programme ça, c'est un programme qui joint financement Office National Assurance. Ça fait deuxième groupe jeune qui bénéficie du programme SILA. Président République, là, bat bravo pour promesse SILA qui arrive réalisé. Direction, nous devons prendre matin, monde cap sorti pour aller dans différents. Activité, yo, yon parti dans barricade qui était placée dans Kafo, Marassa, levé, mais barricade qui derrière maquette là, toujours là, sa qui rend circulation. Était difficile, hein, pour monde qui aborde machine, yo, côté c'est plus moto, hein, qui, il veut jouer une route, hein, pour transporter monde cap sauti. Donc, comme ça, nous, qu'a dit là, transport en commun, il était timide, hein, principalement dans zone nous signaler là, quoi des bouquets jusqu'à tabac, zone ça, yo, qui levait très sale matin, hein, jouait pour Mério, dans ces deux zones, nous, qu'a dit qu'il y a concurrence à la capitale là, Port-au-Prince qui sale qu'on peint dans le déploiement de la police, noté hier hein, sur Port-au-Prince, là, lui-même nous pas remarqué les sous de l'autre zone, tant qu'on a niveau quoi des bouquets. C'est notre contexte là, sous Portail Léogan, nous avons annoncé le titre plus activité, remarqué depuis dernier jour, ça y est, machine qui allait dans le sud de pays, principalement au CAI avec Jacques Mel, où commencé charger moun qui pourrait aller dans la zone ça. Donc, sont très bonnes nouvelles hein, pour moun qui a un projet pour aller dans le sud des pays à guerrier, puisque depuis deux derniers jours, ça a eu une cadie activité au sensé reprendre ce portail au Gadna avec des machines qui pourraient aller dans la ville provinciale qui ont commencé à charger. Avant ça, il y a SOS monde qui a vivre dans un de bon repos, précisément zone Casimir, hein, qui m'a des diligences pour zone ça à côté dans bon repos, il y a une barrière dans zone Bonat Comna qui ont mis dans la rouille, donc qui empêche la circulation. Donc c'est la route qui pourrait aller lire la voix. Il y a un téléphone dans la zone Satou, dans la zone Cafou Saint-Marc. Il y a un pile-pied bois qui mettait dans la rue. Ça qui empêchait la circulation et les gens qui étaient dehors ou bien dans l'autre bord, zone Sahara, zone Casimir, dit que yo pas capable de fréquenter bon repos à cause de pas qu'à traverser et barricade, donc barrière, ils mettaient dans zone tout près notre commune et un pile pied bois qui dans la rue, dans zone Cafou Saint-Marc. Donc c'est après. Différent hein, par rapport à sud, là, route sud, là, côté barricade, yo y a encore présent sur route nationale numéro un jusqu'à Akayen yo et attirer attention sous présence en sorte de portail que vous mettez sous un pont yo et qui fait circulation en direction ça est extrêmement difficile. Les gens nous disent c'est contrairement hein, à la situation qu'on a observé pour route sud-lan et c'est ça qui expliquait peut-être activité au sens de reprendre au niveau portail Léogan côté machine yo commencé charger pour aller au CAI et Jérémy et Jacques Mel. Oui, pont qui était coupé dans le niveau commune Léogan, nous apprenons
les relouvrir côté machine capable de passer. Mais question qu'on a posé, c'est pour combien de temps la circulation a prêté à fonctionner. Donc c'est une plus grosse préoccupation chauffeur autobus qui m'a déforcé l'audio pour augmenter patrouille sur route nationale numéro 2. Reportage sous place Jean-Georges Blaise. Station machine portale Léogane côté un pile bus qui fait trajet Port-au-Prince à Grand Sud de la standby pour tonne passagers à côté l'autre chauffeur transport en commun qui fait circuit zone métropolitaine qui donc ça veut dire la vie voulait retourner bourgeonner dans côte sud là qui était paralysé net aller pendant opération pays lock opposition qui pas de bonne chance du tout à circulation machine sur national numéro 2 Chalon deuxième plaine Fauché surtout qui était chargé avec mauvais grain des barricades semblait voulait bailler une petite chance à trafic là qu'à reprendre timidement. Pour combien de temps, en tout cas, ni chauffeur au CAI, Grandance, Léogane, pour citer ça ou seulement, commencer à aller en petit souffle. Car vous dérissez autour, nous passons à l'aise. Est-ce que le barricade est levé? Oui, on levé, on levé, on passe pas à joindre même. Qu'est-ce qui est levé? Vol la police! Miami, nous passons à l'aise pour matin, on va connaître pour pita, comment ça a pièce. Actuellement, je suis sorti au CAI là, à l'heure. Sans celle du côté, je viens de dire, on tient inconvénient, c'est Tigouave. Mais après, avec volonté, même on dit barrière, il a dit, il a retiré le barricade, il a dit, nous passons. C'est vrai, chauffeur qui fait aller-venir en Grand Sud de la capitale là a bougé d'un mec mal, mais inquiétude encore là malgré un pile barricade disparaître sous route selon transporteur toujours gain individu à exam cap coupé raché dans rançonné moun sous parcours sin quoi chauffeur cap dit qui j'en ça est jusqu'à présent deuxième pleine bon barricade yo kon dressé cassé qui gros en pile et fauché tout ouais si vous comprendre ces zones ça yo gon ti j'en plus dégoûtant tu bois lui même les barre net c'est en dans net n'al passé forgé passé mais moi même PMB PMB pour me passer yo mandé nous l'argent oh yo pour y aller passer nous l'autre chimé qu'al passer nous c'est pas l'autre chimé. C'est pas seulement secteur transport qui sortit victime dans son sar. La police a perdu un agent Udmo qui a tenté de lever une barricade dans zone Chalon. C'est presque 9 semaines tête chargée, chauffeur Grand Sud de la Saute connaît sans compter plein paquet de déficits dans bus qui boulait ou bien qui crasait pendant l'événement qui s'en dit peut-être quitter une bande transportée, yon met devant, yon met derrière. Machine qui est crasée, qui est caoutchouc, qui est épaisse, par méchanceté, monsieur, on mettez freine là-dedans, éliminez caoutchouc. Mais laissez vent, vous retirez, il n'y a pas de problème pour nous, mais vous prenez un freine, vous freinez caoutchouc. Caoutchouc a obligé de perdre net, d'éliminer net, ou pas avant et avec l'encore. Des chalons, des fauchés, en pile problème. Depuis, vous prenez le paquet de caoutchouc pour même, éclater tout net. Le paquet de caoutchouc, même, craser tout caoutchouc net. Net. Nous faisons un pile déficit dans ce moment. Oui, un pile déficit. Un pile déficit. C'est crasé, boule les machines. Bon, Mariani là même. C'est un qui met 10 femmes dans la machine à tout le monde là, donne boule les machines. Côté Nel Garcia. Et des gars ou pas piti dans ce secteur transport comme pigo victime, d'après M. syndicaliste, le capitaine, autorité en place surprend bonne disposition dans garantie l'ordre de sécurité. Dans la rue. Là, mais qui ont entendu parce que c'est de la rue à me vous la rue à libre pour tout le monde va qui a occupation normalement pour nous défendre nous parce que c'est des transports à nous vivre nous. J'ai été pour connaître qui ça a fait comme stratégie pour prendre contrôle la rue à contre sud capitale là, bicentenaire qui est impraticable côté machine persiculée jusqu'à présent. Jean-Georges Blaise, Caraïbes FM. Oui, Blaise, à cause d'un bicentenaire impraticable, j'en saute dit là, machine, ça y est, qui a peine recommencé, chargé pour aller dans le sud des pays, à éviter zone bicentenaire, zone ça, baptisé VAR, monde presque pas fréquenté à cause tension qui toujours gagne dans zone ça. Tant qu'on a hier, côté, en pile, coup de zame chanté hier, guerrier dans zone tribunal là, dans zone paquet à côté, homme d'affaires, Dimitri Vob, t'es doué à répondre question la justice hier. Oui, Dimitri Vob, qui c'est vice-président de compagnie sous général qui répond à l'invitation paquet tribunal civil Port-au-Prince hier. Dimitri Vob, tu dois répondre à question paquet sous les accusations qu'en cause de facturation, faux accusage de faux, enrichissement illicite, association malfectée, un cabu confiance qui a pesé et sous Dolly. Nous, après le parler, écouter intervention, mettre dans ton léger qui c'est avocat sous général tout à l'heure, mais avocat qui est censé représenter.
ONG ou bien l'État haïtien, ils ont même été présents. On a parlé de plusieurs cabinets d'avocats privés que l'État lui-même est engagé dans quatre dossiers. Ils ont été présents, comme M. Newton Louis Saint-Just, M. Osner Février, Éphésien Joissin. On écoute déclaration, c'est M. Osner Février et Éphésien Joissin, donc ils ont même qui étaient dans le micro la presse hier, malgré absence, en tout cas, l'autre patient qui s'est sous-génère. Également, qui ça la loi prévoit mais... La loi prévoit que si on nous demande pour venir ou pas venir, il y a fait ça à nous faire. Il y a fait ça à nous faire. Et maintenant, nous sommes dans le même commissaire qui s'est discuté. Oh, nous présentons plainte, nous qui mettons plainte pour te voir au commissaire, mais pour te recevoir le commissaire, même en dehors de vous, le commissaire, relève mon pour nous. Le commissaire apprend, il réussit, il dit relève tout le monde pour nous. Il relève tout le monde, personne ne va répondre. Et le commissaire a visé plainte nous, il dit merci, je prends les mesures que moi, ouais. Code d'instruction criminelle a demandé pour moi. Est-ce que nous avons bien pour retourner contre le commissaire encore? Mais bien sûr, le commissaire gouvernement n'a pas tourné côté encore. Vous dites le commissaire sans faire. Pas content? Dans les prochaines 48 heures, c'est l'information que nous avons, je dis, et avocat social, que le commissaire du gouvernement depuis hier, que nous pas présent. Nous pas nous-mêmes au courant. Et puis, bah, ça ne c'est pas dans les réseaux sociaux, dans la radio, dans la télévision, c'est avec documents à l'appui. Ça veut dire et comme c'est le gouvernement par recevoir les plans. Et on dit là, on l'aide, mon frère. C'est vous-même qui avez dit nous qu'on l'aide. Mais dans l'intervalle, nous sommes à pression là. Suite à l'homme. Commissaire a constaté l'absence et que lui-même il va faire ça la loi d'une fait en pareille circonstance. Voilà. Et nous avons fait une petite note pour le public là, particulièrement pour les professionnels et les étudiants de droit. Dès lors qu'une plainte est adressée au chef du parquet avec constitution de partie civile et puis victime dans Sien, ça veut dire ministre à vos publics Sien, ministre économie et finance Sien, directeur général EDH Sien, directeur contribution Sien, les quatre avocats Sien, qui est PDG Sien, les quatre avocats Sien, commissaire gouvernement, pas qu'à classer notre droit. Parce que c'est une plainte avec constitution de partie civile qui signait de toutes les parties, particulièrement de la victime et des avocats de la victime. Est-ce que nous avons une conseil de défense de l'État ici, nous avons dit... Monsieur, mes commissaires Abralé. Vous considérez ce nom par rapport avec... Mes commissaires Abralé. Voilà, commissaire a parlé, commissaire qui lui dit, qui n'a pas parlé, hein, dans le micro la presse hier, après invitation, ça, que vice-président, compagnie sous général, Dimitri Vob Boudé, il y a plusieurs, l'autre monde qui devrait répondre à l'invitation, en tout, comme ancien directeur général, Élie Achelon, ancien ministre finance, donc, ils ont tous pas présents, d'après constat, journaliste qui était sous place, action gouvernement, devant la justice contre la compagnie sous-génère laissant en fondement d'après ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince là faut que nous dit avocat l'état haïtien au jeune président est présent hier dans paquet Port-au-Prince mais mettre dans ton léger lui-même les pas présent et dans téléphone il était parlé avec Caraïbes FM pour expliquer les raisons qui fait client liant pas présent hier dans ton léger. Et c'est à partir du Conseil des ministres que nous allons prendre une décision pour résilier le contrat avec nous. Nous clairement dit qu'en l'espèce, l'État haïtien va résilier le contrat qui est là avec nous, sous base de résolution prise par le Conseil des ministres en date du 23 octobre 2019 tout d'abord. Et toute résolution, ça y est, est signée par le président de la République et l'ensemble du gouvernement à faire, eh bien, en vie. La première qui était nommée suite à la démission du PMC1 dénié le 21 mars 2019. Dans la démission PMC1, si PM n'a pas démissionné, mais il n'a jamais précisé avoir renoncé à ses droits de liquider les affaires courantes conformément à l'alinéa 2
de l'article 65 de la Constitution de 1987 amendée. Alors, il est évident que nomination Papin, c'est une nomination qui contrevient aux dispositions de l'article 165 de la Constitution et de se faire entacher d'illégalité. Et puisque entaché d'illégalité, eh bien, tous les actes subséquents portant la signature de M. Lapin et de ses ministres sont illégaux et doivent être considérés comme n'avoir jamais existé. Or, c'est sous base de tout AXAIO que vous voyez convocation par le nouveau client. Et puisque AXAIO, c'est comme si pas existé, parce que signé par un monde qui n'a pas une qualité, par un monde qui n'a pas pas c'est vrai, et les données de l'Union, c'est normal, pour nous décrire par guerre, pour nous dire par guerre, que nous ne sommes pas venus. Et là, des ouais, résolution 23 octobre, qui portait une déliation unilatérale contre l'État haïtien avec nous. Mais tout ça, on peut déclarer illégal, et de fait, eh bien, il y a illégal. Par conséquent, les déliations unilatérales et un pouvoir légal, ces résolutions illégales, étaient pourvues de fait sur la force obligatoire du contrat. Donc, pas qu'il y a quelle raison pour nous-mêmes voter, pour nous présenter et de fait l'écrire, nous signifier, nous dire, nous ne pas présenter, pas parce que nous avons révélé avec la liste, mais non. L'écrit, comme ça, vous dit que, eh bien, commissaire, face à toute cette tio-là, et que, ou pas juge des mandats, parce que au terme des articles 40 à 95 du code de destruction criminelle, le juge des mandats termine le juge d'instruction. Ou même le commissaire gouvernement, ou carreau et mandat, sur 34 flagrants délits, et le flagrant délit, c'est le délit qui se couvre actuellement pour le délit qui vient de se commettre, et toute notre liste financière n'est pas arrivée 24 heures, que lors de ces villes non banquées, une devant banquée, et trois considérations, et par que tu es capable, etc., ou bien au classe 68, si le parquet estime que c'est un dossier qui n'a pas beaucoup l'air, le levier de l'Ouvre, qui va se poursuivre, et dossier solidaire avec les Haïtiens, pour ne pas les mêmes, qui va les fondements, et le classe 68, et si par impossible, comme il s'est battu avec classe 68, il n'y a pas qu'à faire correctionnel, il faut faire la cédule du cabinet de destruction, parce qu'on ne dit pas qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y a pas que ce cabinet de destruction qui est exclu, non pas qu'il y ait un monde devant parquet, non pas qu'il y ait un monde parce que nous ne devons pas dire que nous pas fini, et nous disons pourquoi ça n'est pas fini, pas parce que nous en rébellion, c'est parce que le commissaire gouvernement, en même temps que le saisi de plainte, il écrit la banque, il écrit le ministre finance pour nous demander des informations, pour nous faire des réquisitions. À partir du moment où le commissaire qui était poussé dans la rue, le commissaire va carrément faire aussi la banque. Donc, c'est ça le déroulé d'île. Et ça arrive que. Il a remarqué pour nous tourner encore, mais la première fois que nous voulons nous la première fois que nous voulons aller à l'éducation que nous faisons là. En aucun cas, nous-mêmes, fonctionnaires, en aucun cas, nous-mêmes, les hommes, nous avons besoin de voir un monde altiné, développant quelque part, il y a une habitude pour nous de faire. Nous ne devons pas dire, nous ne pas venir parce que nous ne pas faire une avec tout le respect que vous connaissez gouvernement. Donc si nous ne pas connaître que nous ne pas venir, et nous ne pouvons pas venir, nous ne pouvons pas venir, pour nous faire des autres, pour nous capables de faire des pas venir, nous ne pouvons pas venir. Maître Jean Danton Léger, président Jovenel Moïse, voyez jeter accusation, organisation, droit mounio sous implication au gouvernement dans violence Bel Air. Chef l'État dans l'interview, les bails la voix de l'Amérique parlait de manipulation et une série secteur pour atteindre objectif yo sous dossier la saline. Non. Les faits qu'on est dossier ça. Comment et ou même son monde qui toujours parler de nos violences et puis va faire violence. Alors, nous avons là, non, tu vois là. Et puis, monsieur, dis-moi la vraie photo à moi. Et puis, le me regarde, je vois une photo côté madame, moi, avec mon yeux qui bleu, tout pour son monde. que les yeux à son yeux qui étaient pour vous. C'est pour vous que je veux dire comment. Et moi-même, je parle de 25 ans. Regarde, c'est 25 ans d'harmonie, 25 ans côté. Bon, j'aime qu'on ait l'air que. Et le moi, je nous pour le côté marié, de l'un marié pour aujourd'hui, ça j'aime rêver que nous gagnions une prise de bouche. Allez, vous pouvez arriver. Bon, d'accord, nous avons demandé. Deux mouns ne pas arrêter pour nous pas parler, pas discuter, mais pour des discussions même animées, pour des mouns d'aller mettre au là entre nous deux. Ça pour que j'aime rêver. Et moi, d'où ça, moi, sur les réseaux sociaux. Avec c'est pour me dire que mouns qui a dit un pile bagage. Mais ça me veut dire aujourd'hui, hein, manipulation qu'a fait aujourd'hui. Hein, c'est la plus grande manipulation de l'histoire de ce pays. Et c'est pour ça que je prends des décisions depuis un mois. Je parle. Je parle de rapport, par exemple, Droits Humains. Et l'organisation Droits Humains, la responsabilité sur le gouvernement,
dans massacre par exemple Bel Air, côté que il y a 15 monde qui mouri, 13 là-dedans boulé massacre la Saline, et nous Amnesty International entré dans causea et Nations Unies entré dans causea, et on a des responsabilités et sous deux gouvernements, et même t'es pas contact avec le gouvernement dernièrement pour te réagir sur ça, parce que yon nan yo c'est RNDDH qui la des responsabilités, on dit c'est son massacre d'état. Où est-ce qu'il y a? Pays a polarisé. Pays a plus que divisé. Haïti déchiré. Et déchirement, ça a vu un acteur aveugle. L'homme dit le renou aveugle. Ou comment c'est répondre au consap pour me lever sous un réponse? Pour ça, le renou acteur aveugle, nos batailles politiques, tous les coups sont bons. Mais comment on va aller là en Haïti? Et peut-être, même comme un journaliste, c'est pas ou dans la voix de l'Amérique, ou dans l'émission créole, mais son journaliste international, c'est pas. Ça moi même m'a vivre comme président, moi pas croit que des monde qui a appelé des élites, m'a parler de moi même comme président seulement qui sont élus, même parler de élites, des élites qui a appelé pour diriger un pays, si yo les qu'on bataille ou bien massacrer l'autre comme ça au détriment de pays. C'est dire dire me fait entrer en matière ça avoir pour m'entrer dans vif sujet. Moi même moi son monde depuis le monté président, c'est la non violence que m'a prêché. Ça veut dire l'état dû pour moi-même, équipe PAMNA, c'est ça que nous faisons. Pendant toute campagne, nous, pendant moitié mandat ça, et puis nous-mêmes pour nous participer dans quelconque. Pour nous finir, dans quelconque dossier qui gagne des Haïtiens qui a tué Haïtiens. Maintenant, on me dit, est-ce que ce pays-là, c'est la première fois? Parce qu'aujourd'hui, on a une capacité pour nous parler sans langue de bois. Est-ce que c'est la première fois dans des quartiers défavorisés que bonne armée a goûté bonne armée? Ce n'est pas la première fois. Les faits sont tout prêts. Parce que depuis qu'il fond qu'on histoire gang en Haïti, de qui l'a commencé? Qui ça a fait au commencé? Et puis qui ça nous arrive là? Je veux dire, l'un des groupes armés a bataille pour territoire. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes capables de dire que un président côté de Chita, côté ministre, côté directeur général, parce que l'on dit l'État, c'est... Il dit tout secteur de Tigang Baro. Mais comment, quand on... Qui preuve que moun qui dit la gen? Mais il dit parce que, je dis, hein, les besoins en consommation pour nan niveau, ou peut-être international, nan niveau national, il fait. Mais un bon cas spécifique, qui c'est le cas la Saline. Loi haïtienne, il faut que nous connaissons le pays, c'est pour ça qu'il y a une loi qui dirige. Elle dit, la justice lui saisit le dossier. Moi-même qui exécutif là, je vais vous mettre là-dedans encore, non? Dossier là, ça, il y a près d'une vingtaine d'arrestations qui fait déjà. Moi-même qui t'attends, parce que légalement, il y a des hauts fonctionnaires publics qui ont indexé nos dossiers, faut la justice écrit au okay, ministère concerné côté fonctionnaire, ça y est. Ce n'est pas le cas. Le ministre de la justice, ça va dire, moi, je vous lettre qui te dit que. Soit lui-même le crime ministère concerné à travers par les nationales, parce que c'est moi qui signe arrêté Mounio, pour me mettre à la disposition de la justice. Mais l'homme est bagarre là, son dossier que tout le monde s'est souli à appuyer, moi remplacé deux fonctionnaires. Il y en a qui démissionné et moi remplacé l'autre là. Même tous deux fonctionnaires, ils ont remplacé. Ça veut dire jusqu'à présent, fonctionnaires, ça va là, oui. On pas quoi, c'est des fonctionnaires. Si la justice besoin d'entendre, il n'y a pas besoin de vous attendre. Ce qu'on y a maintenant, c'est des simples citoyens. Il n'y a pas fonctionné l'État encore. Maintenant, sous affaire, Bel Air, tout le monde comprend la tension qui passe dans le pays. La tension, ça, mais pas oublier, les gens qui sont dans le quartier populaire, c'est des gens, c'est frères, nous, c'est soeurs, nous. C'est haïtiens, même avec nous. Nous ne sommes pas prêts pour nous utiliser comme des boucs émissaires. Et moi, je toujours dis, je dis, Nous pas qu'à contre le peuple. Il faut que nous contre la pauvreté. Ça veut dire que l'homme, c'est ça, on va utiliser misère, peuple. On va utiliser niveau de pauvreté. Pour c'est ça que nous servons avec lui comme bouc émissaire. Il n'est pas bon. Donc, ça... Voilà, président Jovenel Moïse, dans l'interview, ça, il y a la voix de l'Amérique sous plusieurs dossiers qui viennent pour la crise politique, leur dossier.
Petro-Caribéen dossier violence, amendement constitution et tout ça évoqué dans l'interview ça qui durait 50 minutes les bails journaliste Jacqueline Bélisère pour la voix de l'Amérique concernant aspect qui vient pour un amendement constitution sénateur Maurice Jean-Charles. Oui, n'a rien pour parler à qui tout à l'heure, mais on aurait été avec la police nationale d'Haïti qui a même rencontré la presse hier pour dire gagner 7 policiers qui mourir en Babal sorti 15 octobre pour arriver journée aujourd'hui. Dernier cas, c'est Richardson Vigne André, agent Udmo qui mourit en Babal dans la zone Chalon, première section Miragouane, d'après porte-parole la police nationale. 51, c'est quantité policiers qui victimes toute Caltezac pendant la période de sauti 15 octobre pour arriver journée 21 novembre. La guerrier police nationale, les recensés tout 87 monde qui mourit dans mi-temps population pour même période ça, d'après porte-parole police nationale, commissaire Michel-Ange Lejeune, en côté explication, lieutenant Mico Johnny Ferdinand. Nous connaissons tout ça, il n'y a pas arrêté sans conséquence, il a impacté négativement les biens et les vies. Et c'est comme ça, moi, en mesure tout, pour me dire que parmi les policiers, nous avons 51 policiers qui sont victimes, soit ils ont mouru par balle, et dernier cas en date là, c'est car Richardson, agent Udmoa, pas vrai, dans Chalon, dans Nip, soit ils ont blessé avec balle, soit ils ont blessé avec des jets de pierre, soit ils ont blessé dans l'accident, soit ils ont subi des agressions physiques. Et c'est 7 de date, moi, disons là, à Tonya qui mourit par balle, et c'est 18 et qui blessé par balle, et c'est 13 qui est blessé par jet de pierre. En tout, d'octobre à date, nous avons 51 policiers qui sont victimes. Alors que dans la population civile là, nous avons d'octobre à nos jours 87 personnes que centre de renseignement opérationnel et la police là arrivé compiler comme données comme monde qui mourit. C'est 187 et 9 personnes qui mourit par âme blanche. Gagnent un monde qui est décapité. Gagne 3 cas de léchage et gagne 4 cas de lapidation. Ça baille en total 104 personnes qui sont victimes dans la population civile là, plus 51 personnes. Alors, bon côté policier, en fait, ça baille 154 personnes en tout que nous gagnons qui sont victimes d'octobre à nos jours. 221 moun joignent à arrestation ce 15 octobre pour bout journée jeudi à la police nationale a déclaré la guerre à tout bandit exam qui a opéré pendant le mouvement protestation contre équipe qui sous pouvoir d'après porte-parole police nationale là Michel-Ange Lejeune. Une porte-parole PNH qui soulignait pendant la même période si la police saisit 23 âmes, 5 machines qui a plus passé 500 munitions de cartouches dans l'opération qui baptisait Toile d'araignée au commandement police lancé dans le commencement mois novembre 2019. En côté plus précision avec la porte-parole, l'institution Michel-Ange Lejeune qui était dans le micro, Johnny Ferdinand. Depuis quelque temps dans la zone Tomazo, gagnait un groupe gang qui baptisé tête nous les 400 Marozo et il a opéré et grand pile monde qui victime et des situations groupe ça groupe armé ça et nous rappelons nous tout récemment il a été procédé à kidnapping plusieurs monde et tu attaqué et plusieurs étrangers qui t'a fait route là et c'est comme ça DCPJ t'a fait une descente des lieux et dans zone ça monsieur yo, malheureusement il a été gantan couru mais DCPJ t'est unité DCPJ quand même t'est arrivé saisi un fusil de calibre et 22 de Mark Ruger que nous soutenons là, nous sommes gardés, mais DCPJ toujours a compilé et des informations qui pour permettre en temps et lieu les mettre dans main en colette et monde qui fait partie gang ça. Tant pour moi te dire non, c'est pas seulement unité DCPJ qui te travaille dans cadre opération Toile d'araignée, mais tout il y a plusieurs autres unités et différentes sections départementales pour les judiciaires et tout qui étaient à l'œuvre, qui étaient à pied d'œuvre. Et tant comme ça dit nous tout à l'heure, gagné un phénomène de lancement des cocktails Molotov, nous rappelez-nous dernièrement, le citoyen après la victime dans le transport en commun sur champ de masse là, côté Mounio, Bandio, t'es lancé cocktail Molotov. Eh bien, la police pas croisé les bras par rapport à un phénomène comme ça et que le travail sur le phénomène là. Et jour qui était 18 novembre, en pleine séance de manifestation, côté plusieurs groupes t'es sorti pour te manifester, eh bien, c'est comme ça, yo t'apprends arrêté Dorival Emmanuel, que n'a pas gardé là, qui est Mario Gris, avec plusieurs bouteilles cocktail Molotov en possession. Ok? Alors que la police des informations que moun qui a fabriqué cocktail Molotov ça yo yo exprimé yo sur espace public là parce que yo attaqué des ambassades. Nous songe récemment yo t'ai attaqué ambassade Canada, yo t'ai attaqué l'autre ambassade encore, yo attaqué espace privé avec espace public, Unibank par exemple et l'autre espace et maison privée dans Pétionville. Konya là Dorival Emmanuel plus l'autre moun
que la police a recherché et a disposé des informations sur a recherché yo. Emmanuel Dorival, la police a cuisiné le connard pour expliquer dans quelles circonstances ambassade ça yo, espace privé ça yo et espace public ça yo a subi genre de situation ça yo que nous pas nous-mêmes en Haïti que nous pas connaît dans quotidien nous. Gagné aussi Philogène Alex. N'a regardé monsieur là, il habillé en bleu et gris parmi cinq messieurs ça nous gagné qui campé là. C'est Philogène Alex, il était joint monsieur Kagoulé en date du 18 novembre. Il était utilisé un flash qu'il était travaillé pour faire passer pour un revolver et la pral expliquer côté le joint badge un policier qu'il fait copie badge là et il plastifier lui et qu'il fait passer pour un policier. Donc monsieur après la manifestation et c'est comme ça la police dans Delma bien sûr est arrivé procéder à arrestationner et maintenant moi prends le soin pour me pas nommer un policier pour l'instant parce que enquête pour qu'on révéler si oui ou non les coupables de situation ça tout récemment avant-hier et la police dans Pétionville et plus précisément la police dans Thomasin était mené une opération côté à 1h du matin il était recevoir une information côté gagné trois individus à bord un véhicule Vitara Isuzu Grand Vitara et monsieur yo tabral cassé en caille et nous tout photo là nous garder nous pied de biche nous des pincettes et des instruments qu'on utilisé pour défoncer des portes monsieur vend les véhicules ça et yo tabral opéré une fois la police dans Thomas Saint est informé immédiatement yo était rendu sur les lieux donc la police arrivé malheureusement monsieur yo était tiré en direction de la police en échange de tir avec la police est arrivée scoper tous les trois messieurs Sayo et malheureusement ils ont atteint mortellement. Toujours dans le cadre d'opération fil d'araignée que commandement lui-même lui mettait en place là, la police n'a permis river procéder à arrestation Jean Examen. C'est monsieur ça qui n'a mis en là qui tout de nous avait dessus. Nous rappelons-nous très bien semaine dernière comment un véhicule police dans Torcel a brûlé. Poignard ça nous wè nan men examen. Hein? Monsieur son élément qui fait partie de yon gang qui a évolué dans Pernier et dans Torcel. Gang ça li dirigé par Innocent Vite l'homme. C'est monsieur ça qui dirige gang ça. Poignard ça nous wè la police joine nan men examen, hein? Jean examen. Hein? C'est avec poignard ça li crevé toute caoutchouc machine qui a passé dans zone ça. Et c'est monsieur qui t'a tiré dans tank et machine police là. Et ensuite mettez du feu là-dedans dans Torcel. Yo te mettez du feu tout dans un bac loader qui appartenait à ministère travaux publics transport et communication parce que tout simplement bac loader ça il était venu pour te débarricader zone là. Gagné aussi le nommé Charles Jonki, yo arrêté monsieur dans Delma 47 hier dans manifestation hier yo. Et monsieur était en possession de 11 armes fictives. Gagné tout dans Petit Gouave, la police possédait arrestation de Joseph Racine, dit Céline, Jacques Lindor, Benson, dit Fat, Innocent Élisée, dit Zéro, Janvier Emmanuel, dit Mano, Joseph Souline, pour trafic illicite de stupéfiants. Gagné Blaise Saint-Cal, un jeune de 17 ans, Blaise Yves Dor, monsieur là, il est habillé en rouge et jaune. Mais il est dans Mira là. Un jeune de 17 ans, monsieur te gen deux filles accompagné li. Donc il était à bord un véhicule Lexus de couleur beige, plaque BB 75-168. Monsieur était en possession d'une arme illégale et que il était tiré en direction de la police. Zame ça, c'est un 9 mm Smith & Wesson. Donc la police l'a arrêté li. Maintenant la police a cuisiné li pour expliquer provenance zone ça, zame ça et dans qui gang li appartenu. Porte-parole la police nationale, la commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, pour un bilan la police pour dernière période, pendant la période des derniers mouvements de protestation contre le pouvoir en place qui marqué par en pile zak violence. Alors que depuis environ deux semaines, situation a tendance pour retourner dans normal, principalement au niveau capital. Mais majorité porte l'école a toujours été fermée face à la situation. Ça, UNICEF a UNESCO plaidé en faveur et ouverture l'école là. À respect droit pour Timoun yo gen accès à peine l'instruction. Dans déclaration tête ensemble de l'Organisation des Nations Unies, yo publié semaine ça, yo invité autorités, yo acteurs politiques, sociaux et économiques yo travail pour permettre classe yo relouvrir. Dans l'occasion journée mondiale Timoun yo qui était marqué tout 30e anniversaire convention qui gen pourrait à droit Timoun UNICEF à UNESCO invité institution dans l'état yo même gens. Ak akteur politik, sosyal ak ekonomik yo travay ansanm pou pemet aktivite normal tout l'ekol yo prive kou publik.
reprendre sans perdre du temps une façon pour Timoun yo continuer former tête yo depuis mois septembre en date côté activité yo t'est commencé paralysé dans cadre pays loc là à cause route yo t'est bloqué mettez sous montez avec violence là il était pratiquement impossible pour Timoun yo t'est arrivé gain accès à l'école yo même gens avec jeunes yo pour aller dans université yo selon ministère éducation nationale 70% l'école à travers pays en pas arrivé fonctionner plus passé 50 jours sous un total 189 jours classe déjà perdu et malgré l'état toujours pas en mesure pour annoncer qui leur porte l'école lui a capable l'ouvrir comme ça droit ministère a travail quoi est là sous un plan rattrapage pour proposer bah l'école lui pour permettre de récupérer 250 aidants coûts lui a perdu sous 945 aidants lui a t'adré suivre pour toute année l'école là. Moi content parce que nous t'ai accompagné pendant tout temps ça pour nous t'ai capable informer nous à travers de Faisé la Caille. Nous remercions parce que vous faites channel ça, channel de prédilection pour capable informer vous et pour confiance que vous même vous faites. Nous pas oublier ici à nous même nous pas faire nouvelles, nous même nous bail nouvelles. Nous ramasser nouvelles de tout partout sur télévision, radio en Haïti. Nous mettez là puis capable disponible pour vous les 24 temps journée hein. Tout simplement là au même au gain temps pour capable informer vous. Dans l'autre petit moment, on a retourné pour nous capable continuer fort vivre tout ça qui a passé en Haïti.